Il fut un temps où les ressources semblaient illimitées. Mais l'année 2030 marqua le début de la grande crise énergétique. Après avoir épuisé la quasi-totalité des ressources de notre monde, les puissances mondiales créèrent la World Space Agency afin de chercher des solutions ailleurs au-delà de la Terre. Elles en trouvèrent une sous la forme de l'hélium-3, un isotope puissant découvert en abondance sur la Lune. Grâce à lui, l'humanité pourrait satisfaire ses besoins énergétiques pendant des décennies. Ainsi, en 2032, l'humanité colonisa la Lune. Sous la direction du Conseil lunaire, la WSA établit plusieurs colonies permanentes afin de récolter et de transformer l'hélium-3. L'énergie ainsi créée fut transférée vers la Terre via un réseau énergétique révolutionnaire, la transmission d'énergie à micro-ondes, ou MPT. Au début, tout semblait bien se passer. Mais vint alors cette terrible nuit de 2054, cette nuit où les lumières s'éteignirent. Une pénurie d'énergie. La MPT était déconnectée, et la communication avec les colons lunaires fut perdue. Sans ressources terrestres pour lancer une opération de sauvetage à grande échelle sur la Lune, la World Space Agency fut dissoute en 2055. Mais un petit groupe d'anciens colons de la WSA refusa d'accepter le sombre avenir qui attendait l'humanité. Déterminés à découvrir ce qui était arrivé à la colonie et à restaurer la MPT, ils préparèrent leur mission sur un site de lancement abandonné dans le désert. Aujourd'hui, en 2059, ils sont enfin prêts à envoyer un astronaute sur la Lune. Nul ne sait ce qu'il attendra là-haut. Mais ses ordres sont clairs. Livrez-nous la Lune. Partout dans le monde, les familles et amis des colons lunaires disparus se rassemblent ce soir pour se souvenir de la coupure générale de 2054 ayant entraîné une coupure d'énergie mondiale et la perte de contact avec la Lune. La coupure générale a provoqué un bouleversement mondial et a conduit un an plus tard à la fermeture de la World Space Agency. Dans le reste de l'actualité, l'apparition de la plus grande tempête de poussière à ce jour a forcé les climatologues à revoir leurs prévisions sur la vitesse de la croissance du désert équatorial. À cause de cette nouvelle tempête, le désert pourrait bientôt couvrir 30% de la masse terrestre. Plusieurs gouvernements ont promis d'aider les réfugiés malgré leurs faibles ressources. La tempête de poussière devrait toucher les zones résidentielles situées entre le 49e et le 50e parallèle nord d'ici la fin de l'après-midi et frapper l'ancienne station terrestre MPT de la World Space Agency située dans le désert d'Akiro. Les autorités ont ordonné l'évacuation des zones touchées. Les températures dans les pays au nord du désert équatorial devraient atteindre les 46 degrés Celsius. C'était Nicole Page pour World News One le 16 septembre 2059. Passez une bonne journée en sécurité. Fortuna, vous êtes là ?
contrôle sol à Fortuna One, ici Claire. Veuillez confirmer le contact radio. Contact radio confirmé. Rendez-vous sur la plateforme de lancement et amorcez la fusée pour le décollage. Nous devons la lancer avant la tempête de sable. Voilà. Taurus 5. Il nous aura fallu 4 ans pour la préparer au lancement. Mais vous devez vous dépêcher. La tempête de poussière frappera cette zone dans quelques heures. Si nous ne réussissons pas maintenant, la mission Fortuna sera terminée pour de bon. Le centre de contrôle se trouve au dernier étage. Vous pourrez y amorcer la fusée pour le décollage. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas reçu de transmission d'énergie à micro-ondes en provenance de la colonie lunaire. Au début, personne ne pensait qu'il serait possible de transmettre de l'énergie de la Lune à la Terre. Mais la WSA a fait taire les sceptiques. Et vous ferez de même, en reconnectant la MPT.
Ce bâtiment faisait autrefois partie de la WSA. Mais nous y vivons maintenant depuis plusieurs années. J'arrive toujours pas à croire que nous allons bientôt partir pour de bon. La désertification de toute cette région ne prendra pas bien longtemps après le passage de la tempête. Thank you.
plusieurs causes possibles de la coupure générale de la MPT. La première, c'est le transmetteur de la station spatiale Pearson. Claire, vous voilà. Venez, on fait ça à côté. Tout le monde vous cherche. Je dois revoir ça une dernière fois, Maria. On a déjà tout passé en revue, plusieurs fois. On fera pas mieux. Venez, c'est l'heure de faire la fête. Ce sera pas long, j'arrive tout de suite. Une vraie Johansson. Quand il avait quelque chose en tête, j'étais incapable de l'en dissuader. Vous êtes aussi têtu que votre père. Oh, probablement la seule chose que nous avions en commun. J'arrive simplement pas à comprendre pourquoi il a pas rétabli la connexion MPT. C'est quand même lui qui l'a inventé. Et maintenant, il n'y a plus que nous. Personne d'autre n'essaie de faire quelque chose. Si nous échouons, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Si c'est faisable, alors on va le faire. C'est la seule chose qui doit compter pour nous. Relisez vos notes et rejoignez-nous quand vous serez prête. Bref, les causes de la coupure générale. La deuxième pourrait être une des tours du réseau. De contrôle. Préparez la fusée pour le décollage aussi vite que possible. De la tempête. Claire, on a un problème. La tempête approche plus rapidement que prévu. Beaucoup plus. Le temps presse. Continuez, Fortuna. Nous y travaillons depuis trop longtemps pour abandonner maintenant. Thank you.
centre de contrôle et amorcer la fusée pour le décollage. Vous pouvez y arriver. Initialisation de la procédure de décollage. Séquenceur de lancement au sol initialisé. De la passerelle d'accès orbital en cours. Faites un peu plus attention. Parfait, exactement comme à l'entraînement. Alimentation auxiliaire. Votre aide de la conduite de ventilation d'oxygène gazeux. Ça tient à peine. Essayez de faire attention à l'équipement. Passerelle de ventilation en place. Du bruit activé.
premiers astronautes sont partis pour la Lune il y a une centaine d'années. Pour eux, la Terre avait grouillé de vie. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus que la poussière. Si vous arrivez à reconnecter le réseau MPT, ça pourrait redonner l'espoir que l'humanité a perdu après la chute de la colonie lunaire. Nous pourrions nous relever, reconstruire et, plus important encore, commencer à penser à l'avenir. Vous allez devoir trouver le transmetteur MPT dans la station spatiale Pearson. C'est de là que le signal énergétique était transmis à la Terre. C'était le dernier lien du réseau MPT avant la coupure générale. S'il existe des réponses, elles seront sur Pearson. Claire, nous devons nous réfugier dans l'abri. Ces vents sont de plus en plus violents. Compris. Fortuna One, la tempête va brouiller le contact radio. Vous n'allez pouvoir compter que sur vous-même. Pendant un moment. Vous devrez... Je vous en supplie. Livrez-nous la vie.